En quoi la sexualité s'est-elle transformée depuis les années 1960 ? En France, par exemple, la contraception a été légalisée en 1970 et elle s'est diffusée massivement et très rapidement sous contrôle médical dans les décennies qui suivent. Aujourd'hui, elle est devenue une norme absolue pour celles qui ne souhaitent pas d'enfants. Elle est désormais mise en œuvre par les femmes, ce qui permet une programmation de la vie reproductive et de nouvelles manières de vivre l'expérience sexuelle. Par exemple, les moments de la vie où l'on pratique une sexualité destinée à la reproduction, désormais peu nombreux, et ceux où l'on pratique une sexualité non reproductive sont perçus comme totalement disjoints. La sexualité ordinaire est désormais devenue inféconde. C'est le fait d'interrompre la contraception qui demande une décision, plus que le fait de la débuter. Le fait que la jeunesse soit vécue depuis les années 1980 comme une période de sexualité non reproductive est une des conséquences non prévues de la généralisation de la scolarité secondaire et du développement de l'enseignement supérieur, qui crée un lieu de socialisation commun aux filles et aux garçons. Le glissement des débuts sexuels des jeunes femmes vers des âges légèrement plus jeunes, 17 ans et demi aujourd'hui en moyenne, et la tendance à une entrée en couple plus tardive, aux environs de 22 ans en moyenne en France, permettent aux femmes de bénéficier d'un temps de jeunesse sexuelle pendant laquelle la sexualité se vit sans engagement matériel. Dans les années 1950, seuls les hommes profitaient sexuellement de leur jeunesse. Le fait que la sexualité ne s'identifie plus à la fécondité et à la procréation se manifeste aussi d'un autre côté, par une prolongation de la vie sexuelle aux âges plus élevés, ce qui représente une nouveauté, surtout pour les femmes. Alors que, en 1970, seulement 50%, la moitié des femmes mariées de plus de 50 ans, avaient une activité sexuelle, c'est le cas aujourd'hui de 90%, on passe de 50% à 90% des femmes en couple du même âge. La ménopause a cessé ainsi de marquer la fin de la vie sexuelle des femmes. Ce qui a changé dans la vie sexuelle des femmes, c'est aussi la considérable perte de centralité de l'institution du mariage. Symptôme d'une diversification des parcours individuels et des contextes de la sexualité. Le déclin de l'institution du mariage se manifeste par plusieurs phénomènes. La forte baisse du nombre de mariages célébrés depuis les années 1970. Le caractère plus tardif des mariages quand ils continuent à avoir lieu. La proportion de plus en plus élevée de naissances en dehors du mariage en France. En 2011, 56% des naissances se faisaient hors mariage. La concurrence de cadres juridiques plus souples, comme le PACS, c'est-à-dire l'union civile enregistrée, qui représente 80% des mariages en 2010, ou la cohabitation, ou l'union libre, qui est encore plus fréquente,
où bien on peut être ensemble sans avoir de papier, tout simplement. Enfin, il faut noter le niveau élevé des séparations, environ un mariage sur trois. Donc, la vie sexuelle des individus déborde le cours du mariage unique et indissoluble d'autrefois. Le déclin de l'institution matrimoniale ne signifie pas pourtant un recul de l'aspiration à vivre en couple. Mais c'est une diversification des parcours sexuels et affectifs, tant en nombre d'expériences que dans le statut des relations. Et le changement est particulièrement net pour les femmes, une fois de plus. Alors qu'en 1970, seulement un tiers d'entre elles avaient eu plus d'un partenaire, un partenaire sexuel, dans leur vie, c'est le cas de deux tiers des femmes en 2006. Donc ça a doublé, de un tiers à deux tiers qui ont eu plusieurs partenaires dans leur vie. La proportion de celles qui ont eu des rapports sexuels avec des femmes augmente. La proportion de celles qui ont eu des rapports avec des femmes, donc rapports de même sexe, augmente. Après une expérience, après une séparation amoureuse ou conjugale, expérience donc qui est désormais fréquente, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à rencontrer de nouveaux partenaires sexuels, qu'elles forment ou non des couples avec eux. Et en fait, elles forment moins souvent des couples avec eux que les hommes, mais elles ont des partenaires sexuels. Dans les années 2000, enfin, l'arrivée de nouvelles technologies de communication, téléphone portable et Internet, contribue à modifier le scénario des rencontres affectives et sexuelles parce qu'elles peuvent échapper au regard des proches. Et les jeunes femmes sont aussi nombreuses que les hommes à visiter les sites de rencontres sur Internet. Au fond, l'existence de la sexualité contemporaine n'est plus garantie par les institutions. L'activité sexuelle d'hier était un produit dérivé du mariage. Aujourd'hui, elle est devenue l'expérience fondatrice et le langage de base des relations, que celles-ci donnent lieu ou non à une vie en couple ou à un mariage. Cela ouvre considérablement l'espace et le temps de la sexualité, notamment, mais pas seulement, pour les femmes. Un troisième élément qui redéfinit l'horizon de l'expérience sexuelle pour tous est l'acceptation sociale et la visibilité croissante des comportements homosexuels. En France, c'est au cours des années 1980 que les attitudes de la population à l'égard de l'homosexualité se sont transformées, en lien avec les fortes mobilisations contre le sida. Alors qu'au début de la décennie 1980, un tiers seulement des personnes pensaient que les homosexuels étaient des gens comme les autres, c'est le cas de deux tiers de la population à la fin de la décennie 1980 et de 4/5 à la fin des années 1990. La fin des discriminations juridiques à l'égard des homosexuels et l'invention du Pax, de l'Union civile enregistrée en 1999, ouvre la voie à une diversification des modes de vie homosexuels qui sortent de ce qu'on peut appeler le ghetto. La vie de couple devient plus visible pour les homosexuels, même si les couples homosexuels restent des couples à part, et les arrangements homoparentaux deviennent objet de débat. Un mot sur la reconnaissance du mariage ou de l'union civile enregistrée entre personnes de même sexe, c'est un événement qui bouscule l'ordre traditionnel de la sexualité, et pas seulement pour les homosexuels, aussi pour les hétérosexuels, parce qu'il contribue à soulever des questions sur l'évidence des normes du couple et de la famille. En 2015,
25 pays du monde, dont le Canada, l'Afrique du Sud, l'Argentine et maintenant l'Irlande, qui est le dernier, acceptent le mariage entre personnes de même sexe, y compris 3 pays fédéraux sur une partie de leur territoire, comme les États-Unis, par exemple, qui ne l'acceptent pas au niveau national, mais dans certains États. Une 15aine d'autres pays acceptent le partenariat enregistré, les unions civiles. Le mouvement de reconnaissance des droits des homosexuels s'est donc diffusé dans tous les continents ? Non, pas en Asie. Il n'y a aucun pays en Asie pour le moment qui accepte le mariage homosexuel. Le mariage ouvert aux couples de même sexe, appelé « mariage pour tous », a été voté en France en 2013 avec beaucoup de résistance, et j'en reparlerai. Mais parmi de grands pays européens, l'Italie et la Pologne refusent encore toute forme de reconnaissance aux couples de même sexe, de même que la Russie. À la possibilité de conclure des mariages entre personnes de même sexe sont associés dans la majorité des pays concernés de nouveaux droits parentaux qui prennent, par exemple, la forme d'un droit à l'adoption conjointe pour les couples gays et lesbiens, ou un droit à l'insémination artificielle pour les couples lesbiens. Ces pratiques existent depuis plus d'une décennie dans certains pays, comme les États-Unis, les Pays-Bas, le Canada ou la Belgique, mais rencontrent des résistances chez d'autres pays, comme la France et le Portugal. Dans les rapports sexuels même, des changements se produisent qui se manifestent dans un élargissement du répertoire des pratiques sexuelles et dans un progrès marqué de la valeur de réciprocité entre partenaires, non séparée d'une volonté d'accomplissement individuel des partenaires. L'initiative masculine et la passivité féminine pendant les rapports, encore largement dominantes dans les années 1950 et 1960, ont cessé d'être la norme. Dans les années 2000, les 4/5 des femmes comme des hommes déclarent qu'au dernier rapport sexuel, ils avaient autant envie l'un que l'autre. L'envie mutuelle des partenaires dans les rapports sexuels est désormais une composante ordinaire et attendue d'un rapport normal. Les enquêtes successives sur les comportements sexuels menées en France dans les 40 dernières années font par ailleurs apparaître l'importance croissante prise par les pratiques sexuelles symétriques comme les caresses mutuelles, la masturbation mutuelle entre partenaires ou les pratiques de sexualité orale entre partenaires, de l'un vers l'autre, de l'autre vers l'un. La sexualité orale dans le couple est pratiquée régulièrement par près de 70% des femmes et des hommes de 25 à 49 ans, des hommes et des femmes d'âge adulte, dans les années 2000. Il est devenu courant d'accomplir cunnilingus et fellation au cours du même rapport, ce qu'on peut interpréter comme une forme de réciprocité. Les rapports sexuels prennent aussi parfois la forme de rapports sexuels sans pénétration, pratique sexuelle qui constitue une source de plaisir à part entière. L'augmentation spectaculaire de la satisfaction exprimée par les femmes en matière de sexualité des années 1970 aux années 2000 est probablement liée à leur attitude plus active au cours de l'interaction sexuelle. Si on insiste à une plus grande ouverture des comportements qui ne sont plus aussi souvent prescrits ou proscrits, a priori, il reste que les conduites des hommes et des femmes, des hétérosexuels et des homosexuels, ne sont pas évaluées selon les mêmes critères. J'y reviendrai. Merci beaucoup. Donc,
on a un panorama d'une sexualité qui devient non reproductive, dissociée de la reproduction, et qui, de fait, s'étend au plus jeune, du plus jeune au plus vieux, et une vie sexuelle qui déborde, si je reprends votre expression. Ce sont évidemment des idées qui vont, qui nous rappellent le paysage dressé par M. Yamada et qui était tout à fait inverse. Et donc je vais bien sûr demander à M. Kato de préciser un petit peu et de nous expliquer son avis sur cette question. Une chose qui me semble importante aussi est que cette dissociation de la sexualité et de la reproduction va de pair avec un désir toujours constant de vivre en couple, finalement. Et une égalité ou un égalitarisme, pardon, qui se constate, y compris dans les pratiques, donc entre partenaires. Alors peut-être, M. Kato, une réaction sur ce désir de sexualité croissant chez les Français, et puis le côté japonais, et sur cette égalité grandissante après-guerre.
ポルノ的なメディアを流通させ消費することは常に貢献力による規制に対する抵抗であり続けてきたのと同時に、ポルノを愛好する多くの男性たちを特定の男性性のイメージですね、つまり能動的で精力的な男性性という神話へと追い込むことにもつながってきました。いわば貢献力からの解放がポルノグラフィーによる別の意味での拘束を生むという逆説が生じてきたわけです。 戦後70年、非常に長い期間にわたりますので、その全体を説明するということは私の力量を超えております。そこで比較的近年の状況に的を絞って日本人の性におけるいくつかの目立った要素、問題を見ていくことにしたいと思います。 そこで重要な参考資料として、日本性教育協会JASE、ジャパンアソシエーションフォーセックスエデュケーションという組織が1974年から6年ないし7年おきに実施してきている青少年の性高度全国調査を取り上げたいと思います。これは大学生以下の性高度と性意識を尋ねるもので、 他に類がない規模の継続調査であるだけではなくて、内容的にも質問者方式の社会調査としては非常に高水準のものであると考えています。なお、この調査のデータは東京大学社会科学研究所のデータアーカイブ、SSJDA というアーカイブがありまして、そこに寄託されていますので、皆さんにもその登録さえしていただければ利用していただけます。 また、この最新の第7回の調査は2011年に行われましたが、その報告書は若者の性白書第7回青少年の性行動全国調査報告として小学館から刊行されています。私は今回の調査については、オブザーバー的な役割、周辺的な役割でしたので、そこの報告書には論文は書いておりませんが、非常に参考になる分析が他のメンバーたちによって書かれています。 さて、この調査で調べられている項目は非常に多岐にわたるのですが、本日は時間も限られておりますので、近年話題になっている日本人の性行動の不活化とでも呼ぶべき現象に焦点を当ててみたいと思います。 これは日本のメディアにおいて繰り返し話題になっているだけではなくて、ボゾン先生が調査されたフランスの状況との対比という観点からも興味深いテーマではないかと思います。とりわけ、青少年の性行動調査、先ほど紹介した性行動調査を参照しながら、若者の性に関するいわゆる草食系男子 という概念がありますが、草食系男子という言説を再検討してみたいと思います。1990年代からの末からですね、セックスレスという言葉があります。2000年代からは今度は草食系とか草食系男子とか、あるいは草食家 といった言葉が流行し、日本人のとりわけ男性の性行動や性欲が衰退しつつある ということを恐れる論調が、マスメディア、ないし、またはインターネット上に溢れています。中にはそれを少子化という人口問題に結びつける言説も珍しいものではありません。このことはですね、かつて1980年代から1990年代にかけては、むしろ援助交際、 要するに若い少女たちによる売春ですが、援助交際や、あるいはできちゃった結婚と、 などの若年層における性行動の積極性を強調するような言葉が流行したことと対照的であるようにも見えます。果たしてこういった変化は単なる根拠のないメディアによるから騒ぎであるのか、それとも、それなりに実態を反映しているのかということを見ていきたいと思います。
ここでまず性行動調査の結果から見える基本的な大きな趨勢を見ていきたいと思います。つまり青少年の性行動の大きな変化をざっと駆け足で見ておきたいと思います。1974年の第1回の調査から2005年の第6回の調査にかけて、デートとかキスとか、性交ですね、セックスといった行動の、その若年層の経験率は一貫して上昇していきました。2005年にはこれは1981年の第2回調査時点でも10ポイント以上の開きがあった大学生の男女間のセックスの経験率がほぼ同等になりました。つまり2005年の時点で男女ともに大学生男女のセックス経験率は約 61%、3分の2程度でした。このようなデータから性の日常化とかですね、早期化および男女差が消滅した、ジェンダーギャップが消滅したといったこと、そういうことが進行していたということができるでしょう。しかしながら、興味深いことなのですが、実は1993年、これは第4回調査です。この頃以降、セックス経験率等の伸び率は鈍化する鈍る傾向が見え始めていました。でそれがはっきりしたのは2005年から最新の2011年の第7回の調査にかけてです。この間に大学生の性交経験率は男女ともに大きく低下しました。また女子の低下率の方が著しかったんですね。男子は9ポイント減少しました。女子は16ポイント減少しましたので、再び大学生女子のセックス経験率は男子をかなり下回ることになりました。でこの傾向はセックスだけではなくデートやキスの経験率においても同様に見て取れます。さてこのような変化はいわゆる装飾化といった言説の説得力を増すようにも思われます。ただしこの装飾っていう装飾に人間性行動に不活発な状態を装飾動物に例えるというそういう比喩メタファーを最初に使い始めたその著作家たちにおいては、それはもともとはですね、異性にモテないわけでもないが性的関心や性行動が不活発な若年男性たちを限定して指す言葉でした。しかもですね、そうした男性を非難するための新たな概念ではなく、むしろ逆にその女性を単なる性欲の対象としてのみ扱うのではなくて対等の人間として向き合うことのできるそういう感性を備えた男性たち、若い男性たちが出現してきたということを肯定的に評価するそういう言葉だったんですね。しかしながら流行語の常ですが、その後この言葉の意味は拡散しまた変質し、そしてどうなったかといいますと、単に性欲が弱かったり性行動に臆病だったりするそういう男性を表す言葉のように受け取られるようになってきました。まあ、果ては人生の意欲全般が低いやる気のない男性を揶揄するために装飾系と呼ぶというそういった用法さえ登場するに至っています。このように装飾化という言葉の意味自体が曖昧なため、それをめぐる議論も混迷を極めているというのが現状です。こういう現状に対して性行動調査の最新の報告書の中では、高橋さんという研究者がこうした混乱した状況に注意を促しながら装飾化のディスクールの妥当性を検証しています。すでに紹介した性行動経験率の全般的な低下に加えて、他にも中学生男子のマスターベーション経験率の大幅な減少が見られたり、全年齢層における性的関心が低下していたり、また性のイメージを尋ねているんですが、性のイメージは楽しくないと回答する人たちの青少年の大幅な増加といったさまざまな指標を考慮した上で、高橋さんはこの4つのトレンドをそこから抜き出しています。それは男女ともに性的欲望が縮小している、これは1つ。第2に性行動が不活発化している。第3に性別分業意識が低下している。
第4に性別隔離の解消、つまり男女が友人関係も含めてより頻繁に、まあ、自然に付き合うようになっているということですね。こういう4つのトレンドが見られると高橋は述べています。これだけを見ると装飾化言説に正当性を与える認識であるように見えるかもしれませんが、ここから男子の装飾化という結論を導出することには慎重でなければなりません。なぜなら第一に、以上4つのトレンドは男女ともに当てはまるからです。むしろ、女子の方によりよく当てはまるんですね。第二に、男子だけを見た場合、確かに先行世代に比べると性行動が不活発化していると、まあ、言えるのですが、同世代内の比較ではやはり異性との距離が近い層の方が性行動も相対的に活発ですので、女子からモテるのにもかかわらずセックスに淡泊な草食系男子といったイメージは必ずしも、そのままの形では成り立たないからです。でそうであるならばなぜ草食化言説は流行したのかということについての高橋 の考察を見てみたいと思います。草食系という概念は肉食系と対比されます。後者肉食系という方は、こういうことを想定しています。つまり男性というものは女性との接触のチャンスがあれば、それを恋愛やセックスのチャンスと捉えて積極的にアタックするのが当然だという、そういう男性像を前提にしているわけです。だからこそ異性との接触機会が増えたにもかかわらず男性がセックスに消極的なのはなぜなのかということが、問いになるわけです。そういう疑問が生まれるわけです。で高橋はこの前提そのものを疑っています。恋愛や性の自由化が進むとともに仮に、性的欲望も肥大化しうる、そういう可能性があるとしても、他方ではですね、恋愛や性行動がリスクを伴う選択である、さまざまなリスクを伴う選択であることが明らかになればそこに一定のブレーキがかかると。で草食化言説はこのブレーキについての洞察を変えていたというのがその高橋の診断です。もう少し補足します。かつては異性の友人が多い若者ほど恋愛や性行動も活発でした。しかし1990年代以降これら2つの要素の間の関連性は大幅に低下しました。なぜでしょうか。高橋が論じるところによれば、以下のようです。異性の友人を持つことが一般的になるほど友人モードから恋愛モードへ、またさらには性関係のモードへと切り替えるためには超えなければならないハードルが高まっていくわけです。そのハードルを超えることを移行にトランジションに失敗すれば、それまでせっかく築き上げた人間関係友人関係を破壊してしまうかもしれないからです。でそのような課題を達成するには、これはいわゆる空気を読むということや、あるいは、日本ではあの若者たちはその相手と付き合いたいということを伝えることを告ると言いますけど、まあ、告白ですね、告白といったそういった儀礼を滞りなく遂行する能力が必要です。しかし現代の若者たちはそうした能力にあまり自信を持っていません。結局恋愛や性行動に対して消極的になることになります。まあ、ここにはセクシュアリティだけにとどまらず日本の若者たちに特有のコミュニケーションに伴う困難、特有の困難の存在が示唆されているかもしれません。まあ、このこと、こうしたこと以外にもいわゆるできちゃった結婚、これは妊娠先行型結婚というあの家族社会学者の概念で、学問化されていますが、その妊娠先行型結婚への否定的な意識、これもフランスとの違いですが、否定的な意識や妊娠への警戒感やあるいは避妊の実行率が男女ともに大幅に増加しています。その2000、新しい調査では、まあ、こういったことからも性が現代の若者たちにとって、リスクとして意識される、楽しみとしてよりもリスクとして意識される傾向が強まっているということが読み取れるように思われます。個人の自由が増大するにつれて、個人は自らの選択に伴うリスクを重荷に感じるようになるということは、まあ、多方面ですでに指摘されてきていることですが、それと同じことが若者たちの性の領域にも妥当するのかもしれません。いわゆるセックスレスについて最後に少しだけ述べておきたいと思います。日本人全般において性行動が低調になっているかどうかは、
これは、まあ、社会学的実証的には決定的な証拠はあるとは言えませんが、いくつかのデータがそのことを示唆していると思われます。有名なデュレックスの2005年のサーベイによれば、年間の性交回数において日本人は45回で、調査対象の41カ国中最下位です。これは平均の103回を大きく下回っており、時点のシンガポール、下から2番目ですね、これは73回ですので大きな差があります。ちなみに最上位のギリシャは年間138回とされています。また日本性科学会による調査、2012年度の中高年セクシャリティ調査によれば、配偶者との間の性交がセックスがこの1年間全くないと答えた人の割合が、2000年に比べて2012年では大幅に増えていました。またさらに日本家族計画協会による第7回男女の生活と意識に関する調査では、過去1ヶ月間にセックスをしていない夫婦が 44.6% いました。これは2004年の 31.9% という数字から増えていますし、この間2年ごとの調査で一貫してこの数字は上昇を続けています。これらから判断して日本人のセックスレス化が進行しているという主張には一定の実証性があると言えるでしょう。まあ、ただその背景についての分析はまだ十分ではありません。日本特有の事情があるのか、それは何なのかということについては、まあ今日は時間もございませんし、これ以上踏み込むことはしないでおきたいと思います。C'est très compliqué finalement de rentrer en détail dans cette question. Je comprends bien donc l'idée. Dans les années 80-90, on a mis l'accent sur le dynamisme sexuel des jeunes. On a parlé de Enjokosai, c'est la prostitution des jeunes filles, des jeunes lycéennes qui donc sortaient avec des hommes âgés. On a parlé du Dekichatta, c'est-à-dire ces jeunes qui se marient parce que il y a un enfant, il y a un bébé dans le tiroir. C'était un cinquième des mariages, je crois. Et puis... Vous montrez que dans les pratiques, ça c'était du discours, hein, mais que dans les pratiques, il y a une égalité de plus en plus grande jusqu'en 2005, où finalement on trouve garçon-fille à peu près le même taux de pratiques sexuelles, etc. Et puis vous nous dites, ben depuis, ça c'est les pratiques, mais un petit peu avant déjà, dès la fin des années 90 peut-être, on va mettre l'accent sur il y a de moins en moins de sexualité. Et donc, votre historique du terme herbivore me semble très intéressant. Au départ, ça voulait dire des garçons qui, finalement, ressentaient une certaine inégalité vis-à-vis des filles, ne voyaient pas les filles comme une proie. Hein. Et puis, finalement, herbivore, c'est vu, utilisé pour dire des garçons qui n'ont pas de désir. Et là, on comprend très bien à quoi sert Foucault. Hein. Si je résume, pour autant que j'ai compris, parce que l'un comme l'autre, vous avez dit qu'à votre première lecture de Foucault, vous n'aviez pas compris tout de suite. Foucault dit, on s'est libéré de la sexualité, mais en fait, la libéralisation est allée avec une injonction de plus en plus forte à la sexualité. Vous pouvez faire, il faut avoir des pratiques. Hein. Et donc, en même temps qu'on se libérait, on est devenu encore plus esclave, encore plus opprimé par la sexualité, si je résume le début. Excusez-moi, c'est vraiment à la hache, c'est vraiment très rapide, mais... Et on comprend bien donc comment le terme herbivore avec Foucault a pu évoluer vers vous êtes herbivore, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pratique sexuelle. Vous considérez les filles comme des amis, donc vous n'avez pas de pratique et donc une injonction très forte à avoir un rapport. Une chose importante dans votre analyse me semble être cette notion de risque qui évidemment était très forte en France dans les années 80-90 avec les années du sida, donc associer la sexualité à un risque. Alors évidemment, ça devient moins drôle. Alors évidemment, peut-être, on peut tomber dans... à la fois parce qu'on est soumis à une injonction très forte et à la fois parce qu'il y a cette idée de risque au désir de retarder son entrée dans la sexualité. C'est un débat qu'on peut avoir tout à l'heure. Une dernière chose, peut-être, on a parlé de kokoraku, c'est-à-dire ce temps ritualisé de la déclaration à l'autre, je t'aime ou j'ai envie de toi, etc. Et donc vous expliquez combien ce temps était important, c'est un thème de la littérature, du cinéma, etc. Et que c'est une ritualisation qui semblait de plus en plus difficile à faire parce que les jeunes ne trouvaient pas les mots et les attitudes pour le faire. À travers ces mots-clés hein, de déclaration, de mariage alors qu'il y a un enfant dans le ventre ou donc de prostitution lycéenne homme âgé, on voit des pratiques qui se dessinent ici.
Donc, ce troisième point qui était, oui, de plus en plus d'égalité sans doute, mais comme on l'a vu avec M. Kato tout de suite, une inégalité persistante ou peut-être même grandissante parfois.